Salut, salut les amis, c'est Imena. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la vidéo sur Wish. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu que la semaine dernière, j'ai déjà fait une vidéo sur 5 produits Wish qui sont vraiment très bizarres. Eh bien, aujourd'hui, cette vidéo, c'est la partie 2. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mets le lien dans la description déjà, et puis elle sera en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et en plus, il y a une playlist qui regroupe toutes les vidéos qu'on a fait sur Wish, sur la chaîne. Donc, allez voir ça, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, aujourd'hui encore, 5 produits Wish qui semblent bizarres, qui font peur, et où on pourrait dire que c'est de l'arnaque. Et oui, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, d'ailleurs. Bon, allez, la vidéo va être trop longue, là. Transition, c'est parti. Produit suivant. Nani ? Une console de jeu. Qu'est-ce que c'est que cette console de jeu ? Alors, console de jeu intégrée avec 620 jeux, rétro, classique, mini, HD. Alors, d'où les jeux rétro, ils sont HD. Bon, pourquoi pas. Support de jeux vidéo, TV, ouais. La traduction encore, c'est n'importe quoi comme d'habitude, ils savent pas faire de traduction. 25€. Ça me pose souci, là aussi ça me pose souci. Alors autant le prix me pose pas vraiment souci, 25€, pourquoi pas, hein. Donc il y a 620 jeux rétro à l'intérieur. Ça peut être intéressant pour une famille, des parents qui veulent faire découvrir des jeux rétro à leurs enfants, pourquoi pas. Mais ça me pose souci, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des licences Nintendo, on peut le voir en haut, il y a du Mario. La console ressemble vachement à une console de chez Nintendo, même s'il n'y a pas marqué que c'est Nintendo dessus à aucun moment. Mais c'est clairement une imitation Nintendo, avec des jeux à l'intérieur. Donc, vous allez recevoir la console, vous allez la brancher. Il y aura vos jeux à l'intérieur, pas de souci. Pour le prix, pourquoi pas? Combien de temps elle va durer? Je sais pas. Alors, pour 25€, c'est pas grave si elle canne dans un an ou deux. Mais bon, vous allez vous faire plaisir à Noël, et puis après, vous allez plus l'utiliser. Pourquoi pas? Mais c'est pas un vrai produit, déjà, Nintendo. C'est pas un vrai produit Nintendo. Donc ça, c'est à vous de voir. Encore une fois, c'est de l'émulation. C'est donc des jeux émulés. Donc si vous n'avez pas la licence, vraiment un vrai jeu physique chez vous, copie physique de ce jeu-là, c'est illégal. Voilà, sachez-le. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas pour 25€? Surtout que Nintendo, il avait fait cette console. Hein, il a vendu 65€, je crois, ou un truc comme ça. Tous les menus étaient en anglais. Si quelqu'un la veut à 25€, pourquoi pas? Mais juste légalement, voilà. Allez, on passe au produit suivant. C'est parti. Nani ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, ça me pique les yeux, ça me pique les yeux. On va lire ensemble. 4 Tera, 8 Tera, oh, 8 Tera ! Oh là là, 8 Tera, 20€ ! 20€, 8 Tera ? Non, non, je pense que 19€, c'est pour 1 Tera à la limite. Mais pas 8 Tera, enfin, je sais pas. Mais c'est quand même bizarre, même pour 1 Tera, 19€. Grande capacité, portable, USB 3. Je vous dis ça, vous allez voir pourquoi. USB 3, disque dur, SSD. SSD, disque dur, on s'est repris, on sait pas pourquoi. Mobile, disque, pourquoi il y a disque 50 fois? De périphériques de stockage pour bureau, à domicile, école, bureau, ordinateur, portable, universel. Ok, bon, ça, la description, encore une fois, elle veut rien dire du tout, on est d'accord. Donc, c'est un SSD, mais un SSD, c'est pas un disque dur. C'est un disque SSD, mais c'est pas un disque dur. Attention, un disque dur, c'est un disque avec une aiguille dedans, ça c'est un disque dur. Là, il n'y a pas d'aiguille dedans, ok? C'est les mêmes technologies que, à peu près les mêmes technologies que les clés USB, les cartes SD et tout ça, c'est de la mémoire flash, à peu près pareil en tout. Donc, ça vaut beaucoup plus cher. Aujourd'hui, ce genre de disque, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et dans des vidéos Wish, ce genre de technologie-là, 1 Tera, ça vaut pas 20€. Non, non, non. 1 Tera, ça vaut au minimum 100, 200€, peut-être 300€. Normalement, 2 Tera, ça vaut au moins 300€. Donc là, 19€. En plus, en USB 3, un SSD, c'est réputé pour être rapide. Pour être rapide. La capacité, on s'en fout. Prenez la capacité que vous voulez, mais c'est réputé pour être rapide. Si derrière, tu y mets de l'USB 3, il n'y a plus de rapidité. Normalement, ça doit marcher avec de l'USB-C. Bon, après, il faut que votre ordinateur ait de l'USB-C. Mais l'intérêt d'acheter ce type de disque, c'est pour la rapidité. Et c'est pour ça qu'on y met le prix, d'ailleurs. Si vous y mettez 19€ avec de l'USB... Bah, bref, acheter un disque dur classique, ça vous coûtera moins cher et ça sera moins arnaqueur que ça. Pourquoi? Encore une fois, vous allez le brancher à votre ordinateur, il va vous dire,
Vous avez 1 Tera, vous avez 2 Tera, vous avez... on s'en fout, il va vous dire le nombre de Tera que vous avez acheté. Par la suite, vous allez copier des films dedans, vous allez copier des documents, vous allez copier des trucs. Vous allez le débrancher. Vous allez le rebrancher, il n'y aura plus rien dedans. Il n'y aura plus rien. Voilà, c'est un système qui vous fait croire qu'il y a de la mémoire dedans, mais il n'y en a pas. Parce qu'à 19 euros, il n'y a pas une réelle mémoire à l'intérieur. C'est pas possible du tout. C'est pas possible. Voilà. Il va y avoir un petit peu de mémoire, vous allez pouvoir mettre des trucs dedans. Et ça va vous faire croire qu'elles sont copiées, mais ça ne sera pas copié. Voilà. D'expérience, je connais des gens à qui c'est arrivé. Donc, passez votre chemin sur ce produit-là. Allez voir sur Amazon, comparez. Quand vous voyez des prix comme ça et que c'est louche, tapez disque SSD sur Amazon et tapez la capacité. Et regardez les prix. Vous ne trouverez pas moins cher ou équivalent que ce prix-là. Ça sera toujours beaucoup plus cher. Voilà. Comparez les vrais prix avec des vrais articles. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Ça n'existe pas. Dans le futur, peut-être. Dans 10, 20 ans, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc, n'achetez pas ça. C'est vraiment dangereux. Ça sert à rien. Vous allez perdre 20 euros. Ça sert à rien. Voilà. Merci. Produit sûr. Nani ? Qu'est-ce que c'est ? Encore... Ouh là là, ça me fait mal encore. Un drone. Un petit drone. Alors, un petit drone. Celui-là, je me régale. 16 euros, encore une fois. 16 euros. Quand on voit tout ce qui est affiché là, dans la description et dans l'image, 16 euros, c'est pas possible. 16 euros, c'est pas possible. DJI ne vend pas des drones à 16 euros. Voilà, c'est tout. DJI vend des drones à 100, 200, 300 euros, voire même plus que ça, hein, oui, hein, d'accord. Même pas 100 euros, plus que ça. Hein. Allez sur le site de DJI, regardez les drones sur le site de DJI, comparez les prix avec ça, et vous allez me dire. Voilà. Alors oui, DJI, c'est une grande marque, comme Apple. Oui, DJI, ils vendent cher leurs drones, mais... avec tout ce qu'il y a écrit là, même la concurrence hein, de DJI, hein, ça sera pas à ce prix-là, c'est pas possible. Surtout donc pour un mini drone RC, je sais pas pourquoi, avec caméra 4K, 5 mégapixels. 4K, 5 mégapixels. On peut faire de la 4K avec du 12 mégas, mais de la 4K avec du 5 mégapixels, ça va pas être ouf. Ah, si c'est 4K, c'est HD. Drone pliable, normalement, voilà, on essaye de refaire des petits trucs pliables, ok, pourquoi pas. Mais avec la taille du truc, vous voyez comme c'est petit, là, ça tient en main. Pourquoi tu le fais pliable? Je sais pas du tout. D2, on sait pas pourquoi il marque D2. Poche, professionnel. Quadricoptère, bah oui, c'est un drone, il y a quatre hélices, donc c'est un quadricoptère. Drone, cadeau joué pour garçon. Alors, les filles, elles ont pas le droit, visiblement. C'est que des cadeaux pour garçons, les filles, ils ont pas le droit. Déjà, l'annonce pas sexiste du tout. Ok. Bon, maintenant, sur l'image, on voit 4K et Full HD. Ok, c'est possible, pourquoi pas. Il y a une petite caméra dedans, c'est possible qu'ils la mettent. Aujourd'hui, on peut trouver des petites caméras 4K pour pas cher, celles qui équipent nos téléphones, ça vaut pas grand-chose. Mais dans une petite caméra comme ça, moi, ce qui m'embête dans cette annonce, alors là, qu'est-ce qui marque encore? Donc, caméra, ça détecte soi-disant des trucs, c'est compatible avec votre smartphone, on peut prendre des photos... C'est tactile, on sait pas pourquoi. On peut soi-disant l'utiliser avec un casque de VR. J'y crois absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué de 360 degrés? Oui, bah si tu fais tourner le drone, il est à 360 degrés. Il se pose, il se lève. Ok, bon, c'est un drone, quoi. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'à aucun moment, on vous parle de batterie et d'autonomie. Un drone, quand on vend un drone, on parle d'autonomie et de batterie. Aujourd'hui, chez DJI et chez d'autres concurrents, le maximum en termes d'autonomie et de batterie qu'on peut faire, et c'est des batteries grosses comme ça en général, okay, grosses comme ça, ou comme ça on va dire, ce type de batterie, ça peut aller jusqu'à 30 minutes d'autonomie. Vous le faites voler 30 minutes, il se repose, vous rechangez la batterie, vous rechargez ou vous la changez, c'est comme vous voulez, et il redécolle 30 minutes. Voilà. Aujourd'hui, 30 minutes, c'est le maximum. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ok? Peut-être que dans le futur, ça montera jusqu'à une heure, on l'espère en tout cas, mais 30 minutes, c'est le maximum. Donc, dans un petit truc comme ça, qui est grand à rentrer dans la main, hein, vu que, voilà, la batterie, elle va être comme ça, rikiki, ça va pas voler 30 minutes. Peut-être même pas 10 minutes, ça va voler 5 minutes, boum, voilà, boum. Boum avec une caméra 4K. La caméra pétée, voilà, n'importe quoi. Achetez pas ça. Vous voulez faire un cadeau à des enfants et à des garçons spécifiquement, vu l'annonce? Ou à une fille, hein, hein. Allez chez Picquick Toys, allez chez la Grande Récré. Il y a des petits drones pour les enfants qui valent pas très cher, auxquels vous pouvez faire des jeux avec, des loopings, des machins. Il y aura pas de caméra à l'intérieur, parce que ça servira à rien. C'est des drones pour faire un peu de sport, entre guillemets. Ça vous coûtera peut-être 20 balles ou 50 balles, j'en sais rien. Mais en tout cas, je connais pas les prix, mais en tout cas, prenez pas ça sur Wish. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Vous allez le faire décoller.
boum, il va partir dans un mur, et voilà, c'est fini. Vous avez perdu 16 euros. Et du temps à ce qu'il arrive. J'ai d'autres photos pour vous montrer qu'il est tout petit quand même. Il y a la manette avec, c'est sympa, la manette est plus grosse que le drone, c'est hallucinant. Mais bon, pourquoi pas. Il y a une petite housse avec, c'est sympa, ouais. Pas d'autres photos? Non, pas d'autres. Encore une fois, mort de rire. Ils vendent des trucs. C'est halluchichnant. Halluchichnant. Produit suivant. Nani? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je fais toujours des têtes bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Et là, on va rigoler 5 minutes. Alors, 2021. Mise à niveau Android 10.1. Ouais. TV box familiale, 4K HD TV. Setup. Setup. Je connais pas setup, mais non. Setup box, smart home, Wi-Fi, TV 5G. 5G. 5G, ça voudrait dire qu'on peut mettre une carte SIM à l'intérieur, que si on n'a pas de Wi-Fi, ça communique en 5G. Alors, à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, la 5G en France, le déploiement, il n'est pas ouf du tout. Le déploiement de la 5G, sachez-le, il est fait avant tout dans des zones denses où il y a beaucoup de monde. Libérer la 4G pour que la 4G soit moins... Merde, je pousse le micro. Pour que la 4G, il y ait moins de monde dessus, donc on fait de la 5G, et ceux qui ont de la 5G, ils auront de la 5G. Mais le territoire français, à l'heure actuelle, n'est pas totalement recouvert en 5G. Donc, selon où vous habitez, la 5G servira à rien, et je pense pas qu'on puisse mettre une carte SIM à l'intérieur. Bref, je sais pas pourquoi il marque 5G. Lecteur réseau haute vitesse, double bande, 3D white, voltage, pourquoi tu marques ça, je sais pas, ça sert à rien. Wi-Fi 4, bon déjà c'est pas du Wi-Fi 6, hein. Les derniers Wi-Fi c'est du Wi-Fi 6. Donc en termes de rapidité pour la 4K, ça va pas être oufissime. Plus 64Go de mémoire à l'intérieur avec un quad-cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça semble très bizarre, donc c'est une box, je sais pas si j'ai une autre image, non. C'est une box qu'on va pouvoir brancher donc à sa télé pour rendre sa TV smart, comme le Fire Stick. Mais là dedans, il y a Android TV 10.1. Soi-disant, ça fait de la 4K. Pourquoi pas? Voilà. Il y a des prises européennes, des prises US. Ils nous montrent des serveurs, pourquoi je sais pas. Peut-être parce qu'on peut mettre des films à l'intérieur. Mais honnêtement, le prix est correct. Le prix est correct. Mais honnêtement, chez la concurrence, comme on l'a vu tout à l'heure, chez Amazon, pour 20-30 euros, vous avez des clés toutes prêtes. Maintenant, si vous voulez du Android TV, parce que Amazon, c'est pas Android TV, c'est une version modifiée d'Android. Si vous voulez de l'Android TV, prenez un Chromecast. Prenez un Chromecast avec Android TV dedans. Au moins, c'est un produit officiel Google qui vous coûtera 60 euros, je crois, hein, de mémoire. Un truc comme ça, si c'est pas plus. Mais vous aurez un vrai Android TV dedans, avec des vraies mises à jour, et vous n'aurez pas de problème. Et il y aura de la 4K. Ça, je vois pas trop l'intérêt de le mettre sur sa télé. En plus, ça risque d'être lent, de pas être... J'y crois pas. Déjà, quand on marque 5G dans un truc et pas 5G... Bref. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Marquez-le dans les commentaires. Tous les produits dont on parle aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez marquer des choses dans les commentaires. Soyez pas méchants, mais vous pouvez marquer des trucs dans les commentaires. Voilà, je vous le dis. Allez, on fait encore un produit? Allez, je suis sympa, on fait encore un produit. Allez, un produit. Qu'est-ce que c'est? Nani? Oh, une caméra. 2,7 pouces. Je pense que 2,7 pouces, c'est la taille de l'écran LCD. Hein? TFC LCD, c'est ça. Full HD, donc ça filme en Full HD. Il y a un zoom 16 fois, c'est possible. Ça filme en 1080p. Ouais. Donc c'est une caméra vidéo numérique. Donc, un caméscope DV. Alors, ça, la traduction, elle est pas trop mal. Le descriptif, il est pas trop mal. J'ai envie de dire, pourquoi pas. 19 euros. J'ai envie de dire, pourquoi pas. 19 euros. Mais, vous qui me regardez, vous avez certainement un smartphone dans votre poche. Oui ou non? Oui ou non? Marquez-le dans les commentaires. Oui, j'ai un smartphone. Ou non, je n'ai pas de smartphone. S'il vous plaît, marquez-le dans les commentaires. Vous qui me regardez. Et celui qui regarde... Je vais aller beaucoup plus loin, d'accord? Je vais aller beaucoup plus loin. Ok, celui qui regarde cette annonce via l'application Wish de son smartphone, il a un smartphone, ok? Il a un smartphone, plus ou moins récent, mais il a un smartphone. Normalement, il a un smartphone qui a au moins 5 ans, peut-être 10 ans, c'est possible, mais il a un smartphone. Et ce smartphone, il fait quoi? Il filme. Il filme en quoi? Alors, s'il a un vieux téléphone, il filme peut-être pas en 4K, mais il filme au moins en 1080p, ok? Là, la caméra, elle filme même pas en 4K. Pourquoi mettre 20 euros dans une caméra? 20 euros dans une caméra qui fait exactement la même chose que votre smartphone. Exactement. Et votre smartphone, il risque même de le faire bien mieux que cette caméra. Parce qu'à 19 euros, il y a peut-être un zoom que vous n'avez pas sur votre smartphone, mais à 19 euros, la qualité, elle va pas être top. Hein. Je vous le dis, elle va pas être top du tout. C'est n'importe quoi.
Voilà, je vous le dis, faut pas acheter ce genre de produit. Vous allez perdre 20 euros. Si vous voulez une caméra dédiée pour filmer, pour YouTube ou quoi que ce soit, déjà vous pouvez le faire au smartphone. C'est très très bien, ça suffit amplement. C'est ce que je fais actuellement. Cette vidéo est filmée avec un iPhone 12 Pro. Voilà, qui est branché à mon Mac. Il y a des logiciels qui existent, qui font que je peux utiliser mon téléphone comme une webcam. Si vous voulez savoir quel logiciel, marquez-le dans les commentaires et je vous le dirai. Hein, bah, pas de le dire là, c'est un logiciel payant, mais ça peut se faire. Et quand bien même, vous n'avez pas besoin de logiciel, vous mettez play, lecture, enregistrement, peu importe, vous mettez devant et vous faites votre vidéo. Vous n'avez pas besoin forcément de ça. Et en plus, si vous avez un téléphone qui filme en 4K, la qualité sera bien meilleure que cette caméra. Si vous voulez une caméra dédiée pour ça, alors oui, ça va être plus cher. Et vous prenez, un Panasonic G7, ça va vous coûter 500 balles. Vous pourrez changer les objectifs. Vous prenez, pour moins cher que ça, une DJI Osmo Pocket qui coûte dans les 300 euros et elle filmera en 4K et elle sera stabilisée. Alors oui, il n'y a pas de zoom. Oui, il n'y a pas de zoom. Si vous voulez du zoom, il faut prendre un Panasonic, par exemple, ou des appareils Sony qui valent plus cher, certes, mais vous aurez une meilleure qualité. Donc vous avez un smartphone entre les mains, commencez avec votre smartphone, pas avec ça. Ça, à la limite, vous pouvez l'acheter pour un enfant qui n'a pas de smartphone. Et aujourd'hui, même les enfants, ils ont des smartphones. Mais un enfant de 5 ans, je sais pas si ce produit est adapté pour lui. Parce qu'honnêtement, chez VTech, il y a des trucs bien mieux que ça, qui sera adapté à votre enfant. À qui s'adresse ce produit? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Aujourd'hui, quasiment la terre entière a un smartphone dans sa poche. Donc, je vois pas à quoi sert ce produit aujourd'hui. Marquez-moi-le dans les commentaires si vous avez une idée. À part si vous voulez filmer un truc en allant au ski et que vous voulez pas acheter une GoPro, que vous voulez pas acheter un appareil cher et que vous voulez filmer au ski et que vous avez peur de le casser. Oui, à la limite. Mais voilà, vous pourrez pas faire grand-chose d'autre avec ça. C'est à vous de voir. Voilà, les amis, on a fait le tour de ces produits Wish. Encore une fois, c'est rigolo, ça fait peur, c'est de l'arnaque. Et on comprend pourquoi la France a voulu faire mal à Wish. On comprend. Wish sont pas contents. Ils sont pas contents, les pauvres. Oh là là, on va les plaindre. Ils font des millions de sous dans le monde. Moi, je vais pas les plaindre. Alors, j'ai vu d'autres vidéos sur le sujet avant de faire cette vidéo. J'ai vu des vidéos où les gens, ils disaient « Ouais, mais on est content que Wish nous vende des produits pas chers. » Enfin, des gens qui s'intéressent aux gens qui n'ont pas d'argent. À quel prix? À quel prix? Eux, ils en font de l'argent sur votre dos. Ça, c'est clair et net. Ils en font. Mais à quel prix vous allez acheter des produits pas chers avec de la qualité de merde? C'est clair et net. Me dites pas que les produits de Wish sont des produits de qualité, c'est pas vrai. Je connais des gens qui ont acheté juste des culottes sur Wish. Des culottes. Un lot de culottes. Et qui m'ont dit, en 2 jours, elles étaient déchirées. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, tous les témoignages que j'ai de produits Wish, c'est jamais des bons témoignages. Peut-être pour certains trucs comme des accessoires de pêche. Pourquoi pas? J'en connais qui m'ont dit oui, des fois il y a des bons trucs. Mais pour les produits tech, je vous jure, passez votre chemin. Ne prenez pas de produits tech sur Wish. Tapez Wish sur YouTube, peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs. Et vous allez voir toutes les vidéos, vous allez voir tous les YouTubeurs qui vous parlent des produits. Et dites-moi si tous les produits Wish qu'ont testé ces YouTubeurs étaient de bons produits. Voilà, je crois pas. Moi, je les teste pas, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de dépenser des sous dans Wish pour de la qualité de merde. Je préfère juste vous montrer les trucs, c'est rigolo, et on fait des suppositions, et c'est bien plus rigolo que de les recevoir. Ça sert à rien de les recevoir. On pourrait les recevoir, pour être objectif, et pour dire si c'est un bon ou un mauvais produit. D'expérience, j'ai pas besoin de les acheter pour savoir si c'est un bon ou un mauvais produit. Alors oui, certaines marques comme Apple par exemple et d'autres, hein, Samsung aussi le fait, ou DJI aussi le fait, se font énormément de marge sur les produits. On est d'accord avec ça, mais c'est leur business qui est comme ça et on peut pas leur en vouloir. Et ça marche, ça marche. Si demain, tout le monde estimait qu'un iPhone c'est trop cher, ou si Apple demain met des iPhones à des prix exorbitants, personne n'achèterait. Peut-être qu'il y en aurait qui achèteraient, mais beaucoup moins qu'actuellement. Donc, les business, ils marchent comme ça. Pourquoi ils vont les arrêter? Voilà. Alors oui, c'est dégueulasse pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui préfèrent acheter des objets comme ça sur Wish. Mais encore une fois, à quelle qualité et pour combien de temps le produit va durer? C'est ça que je veux dire. Pour combien de temps le produit va durer? C'est compliqué. Bref, voilà. Si vous avez un avis sur la question, on débat tout ça dans les commentaires. Encore une fois, pas d'insultes. Soyez gentils. De toute façon, les insultes, elles sont levées par YouTube automatiquement. Moi, je les vois passer vite fait et après, elles sont levées. Hein, voilà. Les insultes, je les vois. Vous inquiétez pas, je les vois, les insultes. C'est pas très sympa. Hein. Est-ce que je vous insulte en vidéo?
je ne vous insulte pas. Est-ce qu'on insulte Wish ? Non, c'est bien qu'ils fassent ça d'un côté. Il y a des gens pour qui ça peut être intéressant. Mais les méthodes de vente, elles sont pas très ouf. On est d'accord. Voilà, voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo encore une fois. J'espère que j'aurais pas été trop long et trop lourd non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce rouge aussi, comme ça on jaugera de tout ça. Est-ce qu'on refera des vidéos Wish ? Je l'espère. Si d'ici là, mon application Wish marche encore, puisque la France, ça va être compliqué. Mais voilà, voilà. Marquez-moi tout ça. Si vous voulez d'autres vidéos Wish, marquez-le dans les commentaires aussi. Dites-moi, oui, j'aime les vidéos Wish. Faisant d'autres, c'est sympa. Voilà, voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous m'avez jamais vu sur YouTube, pourquoi pas, c'est la première fois, c'est possible. Big up à tous les fidèles, à tous les abonnés de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, encore une fois, ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.